formation de cuisinier donc au lycée hôtelier de Talermitage en Drôme, où j'ai passé un BEP et un bac pro. Par la suite, donc, j'ai eu pas mal de formations sur Saint-Bonnet-le-Froid, donc entre Thierry Guyot et Régis Marcon. Par la suite, donc, c'est Thierry Guyot qui m'a envoyé donc, travailler ici en tant que seconde cuisine, aux côtés de M. Perrier, où j'ai travaillé pendant 3 ans. Et ensuite, donc, M. Perrier lui m'a appelé quand il a mis en vente, en me demandant si j'étais intéressé. En tout, on a 7 salariés. Donc, on a 3 temps pleins et 4 mi-temps. Donc après, il y a ma femme qui, elle, gère le matin tout ce qui est petit déjeuner, service de la salle. L'hôtel est réparti en 11 chambres, donc toutes classées en 3 étoiles. À l'époque, il y avait le côté que gastronomique dans ce restaurant, où il y avait une capacité de 35 couverts. Ça ne bouge pas, ça reste inchangé. Tout ce qu'on a apporté en plus, par contre, c'est un côté café-brasserie tous les midis de la semaine, donc du mardi au samedi midi, avec une petite formule qui est entre 15 et 18 euros, qui reste toujours entièrement à base de produits frais et toujours une cuisine avec des producteurs locaux. Ça, c'est très important de le dire. Et le troisième point sur lequel on est en train de travailler et de mettre en place sur le site internet, c'est un côté drive. Donc ça, c'est toute la nouveauté qu'on apporte un petit peu. C'est vraiment, on pourra passer une commande sur internet et avec des plats emportés, on a un packaging qui est tout prêt. À partir de septembre, on va lancer le label Maître Restaurateur pour qu'on l'obtienne. Et on est en train d'intégrer donc l'association des Tocs d'Auvergne avec donc pour parrain Jacques Marcon et Thierry Guyot.